Let's go. Hop. Alors. Qui qu'on fait? Oh merde, putain, je suis fermé. Ah vraiment, j'ai un problème avec la croix. Hop là. L'indispensable pour vos vacances. Mozilla VPN protège vos données des regards indiscrets. Un compte pour toute la famille, Mozilla VPN sur 5 appareils pour streamer, jouer ou consulter votre compte bancaire en toute sécurité, bien sûr. C'est moi le président Président de de la la République. République, j'aime j'aime bien bien l'argent, l'argent, j'aime j'aime bien bien le le fric. fric, les manifestants, je leur Et rembourse bonsoir le raid, et vous ramasse arrivez pile pour l'ombre de notre le placement de président. produit pour Allô? Mozilla Allô? Oh VPN, pétard, il a pas bien aimé sûr. l'ascenseur. Allez, Parce que je reprenez vous avais votre. déjà La entendu la parler la la de la la Mozilla la VPN. la 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 Alors en fait. Et bonsoir, bienvenue, bienvenue le raid, la 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 la. Et bonsoir. Bonsoir, j'étais chargé au guesseur. Et sans faire exprès, j'ai fermé la page. Et du coup, on est sur la page d'accueil de Firefox. Et voilà. Voilà. C'est tout. Vous arrivez pile. À chaque fois, ce qui est sauveur quand il raid, il y a un timing. Il y a un timing de fou, hein. Il y a un timing de fou, hein. Bonsoir, bienvenue, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Astumix, bonsoir Thunderdukers, bonsoir celui-ci, bonsoir Christopher, merci pour le raid. Et bonsoir Mémé Potter, si je me trompe pas dans la prononciation de ton pseudo, bienvenue. Première fois. Bah ici, chez Christopher, c'est sérieux. Ici, c'est moins. Non, chez Christopher, c'est. C'est. Là, ça rigole beaucoup. Ici, ça rigole pas. Ici, on est sérieux, bien sûr. Là, ça rigole. Ça rigole pas. Ah, même Potter, en fait. Même Potter. Nickel, je l'avais pas. Je l'avais pas, je l'avais pas. À la première lecture, je l'avais pas. Mais c'est valide quand même, c'est valide quand même. C'est valide quand même. Attends, tu vas avoir le droit, hein, la blague est valide. La blague est valide. Eh ben, comment vous allez, les gens du raid, ça va? Stopper a été gentil. On dirait du Pokémon, la musique. Bizarre. Bizarre l'ambiance. On dirait du Pokémon. Franchement. Qui mettrait du Pokémon en musique de fond? Ça t'y part. Eh ben écoute, non, ça va nickel, comme un mercredi soir, voilà. Milieu de semaine, tranquillement. Voilà ça, tranquillement. Le mois de juillet se passe plutôt bien, vu que le mois de juillet, là où j'habite, c'est très. Il fait pas trop chaud. Le Grand Est, pour vos étés, c'est bien. Pour vos étés, c'est bien. N'hésitez pas. Du coup, qu'est pas ça ici? C'est quoi les bails du stream? Alors, les bails du stream, c'est très sombre, bien sûr. Ce sont des beaux streams. Des beaux sombres, bien sûr. Des beaux. C'est Northgold, tout à fait. C'est exactement. Nous sommes exactement sur Azalei, la ville d'Azalea. Alors, je sais pas en français c'est quoi le nom de la ville. Débauche. Je travaille pour l'office de tourisme de la ville. Alors,
Je vais pas spoiler ce que je fais dans la vie, j'en ai déjà parlé. Mais il se pourrait qu'il y ait un petit lien avec l'office du tourisme. Il se pourrait. Je ne donnerai pas le lien, bien sûr. Je ne donnerai pas le lien avec l'office du tourisme. Mais il se pourrait. Il se pourrait presque. Hein. Tac, tac, tac. Et du coup, c'est quoi les bails du stream? Parce que je ne réponds pas à la question. Alors, ici. Bah, merci pour le follow. Merci pour le follow. Bah, c'est gentil. Ah, bah, moi aussi qui vais travailler dans le tourisme. Trop bien, tu vas travailler dans le tourisme. Enfin, si c'est pas indiscret, c'est où à peu près? C'est indiscret, bien sûr. Tu peux ne pas répondre, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en général, l'idée, c'est de tourner sur. Je fais un stream par semaine globalement. Je n'ai pas plus de temps que ça pour streamer. Et du coup, en général, c'est un stream le soir, en semaine. Généralement, ça tourne autour du mardi, mercredi ou jeudi. À 21h, ça commence. Et puis, on fait plein de petits jeux en rapport avec la culture G, surtout du GeoGuessr. En fait, je suis tombé dans l'addiction. Et voilà, puis tranquillement on avance, on fait des fois des questions pour un champion, on fait des fois du US quiz, on fait des fois du pop sauce, ou parfois on se termine un peu sur du Gartic Phone, des trucs un peu tranquilles. Voilà, donc c'est plein de petits jeux pour jouer tous ensemble bien sûr. Ou sous seul de mon côté, et vous regardez. Voilà. Et de temps en temps, le week-end, je lance un jeu vidéo. Parce que GeoGuessr n'est pas un jeu vidéo, bien sûr. Hop là. Du coup, c'est bon, la sponsor Mozilla NordVPN est passée. Oui, du coup, de temps en temps, le week-end, si j'ai le temps de streamer, je stream un jeu. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas streamé le week-end. Ça fait longtemps. Et voilà. Et en jouant à GeoGuessr, je me suis découvert un petit intérêt pour la géographie. Voilà, et pour la découverte d'endroits qu'on ne connaît pas forcément et qu'on n'aura probablement jamais l'occasion de voir dans notre vie. Voilà, donc pour moi qui suis pas un très fervent défenseur de l'avion, hein, même si chacun fait ce qu'il veut, je ne critique pas bien sûr, et du coup j'ai fait le choix de ne plus prendre l'avion. Donc forcément, la quantité de destinations touristiques se réduit pas mal, mais pourtant c'est très bien. Hein. À portée de train, il y a pas mal de choses. Bref, je divague. Du coup, tu fais une formation en agent en accueil, office de tourisme en Belgique. Trop cool. Eh bien, écoute, je serais ravi de faire partie de passer à ton office de tourisme. Belgique est à portée de train. La Belgique est à portée de train. Tout à fait. Vague, vague, double vague. Bravo. Bravo. Eh bien, écoutez, je vous propose. Regarde, pas ça. Bah, je vous propose peut-être un petit jeu guesser. Est-ce que ça vous chauffe? Et après vous choisissez le jeu, comme d'hab. Je vais vous inviter, tout à fait. Vous n'avez pas besoin de posséder le jeu pour rejoindre. Tac, 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 non. Comment on invite? Je sais plus comment on joue. Vous n'avez pas besoin de posséder. Oh, d'ailleurs, mon pseudo est resté en doré. Bah, j'ai un pseudo doré, sachez-le maintenant. Hop là, je suis doré. Doré. Vous avez juste de besoin de posséder des thunes. Tac, tac, tac. Et possibilité de voc. Tout à fait. Vous avez possibilité de rejoindre le vocal si vous êtes
majeur. Voilà. C'est la condition pour rejoindre le vocal, c'est d'être majeur. Donc, pour rejoindre le vocal, il faut se rendre sur le Discord. Si jamais. Voilà, pour l'excellent sur Discord. Pause café. Alors, ça va pas marcher tout de suite. Allô? Ah, ça marche tout de suite. Et là, hop là. Et là, normalement, le stream t'entend. Allô? Est-ce que vous Ah oui, m'entendez? il t'entend fort. C'est bon. C'est bon. J'ai pas mis de limite d'âge maximum, par contre. Donc, je suis désolé, on accueille les pads aujourd'hui. Oui. Il est où, Julien Lepers? On se coupe. Ah, bah, il va t'appeler, il va t'appeler. D'accord. Comment ça va? Ça va, parce qu'il faut que je me rends compte qu'il faut vraiment que je boive de l'eau parce que c'est. Bah J'en peux plus de parler pendant des heures et puis. oui. Bois, bois. Ne C'est te dingue. déshydrate pas. C'est important de s'hydrater à ton âge. Oui, déjà 2003 c'était dur, alors là. Alors là. Alors 2023, 20 ans après. On n'a plus 20 ans. Il pète des ballons, Julien? On n'a pas tous les jours Ah, Julien 20 ans. Lepers. Oui, Julien Lepers, oui. Ah. Bien sûr. Non, bah sinon. Bon, voilà, chaud pour du G. Oh, attends, est-ce que j'ai rejoint? Je ne sais même plus. Discord. Oui. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu es là, tout va bien. Nous allons partir. Monde ou France? Au choix. Est-ce que... Comme tu veux. Moi, je sais pas. Le chat. Alors, en vrai, si c'est monde, effectivement, je vais mettre un peu plus de temps. Parce que. C'était resté sur 1 minute 30. Pff, 3 minutes, c'est bien. 3 minutes. J'espère que ça dure pas trop longtemps non plus, chacun. 3 minutes 30. Hop. Voilà. Ok. Voilà. Tu trouves pas le Discord? Hop. Bah, bienvenue. Et ensuite le Discord. Pas le Discord. Le vocal. Le vocal est dans Pause Café, dans Flow Munoté. Il y a un onglet Pause Café. Il faut accepter les règles avant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce tuto. Tac tac tac. Ah bah... Allô? Hello. Hello. Bienvenue sur le vocal. En fait, j'avais accepté les règles et mais c'était pas les mêmes règles. C'était les règles de sécurité. Ah, c'est pas grave. Ah non, d'accord. D'ailleurs, le lien du Discord sous le stream ne fonctionne pas. Ah. Première nouvelle. Je regarderai ça, je vais noter ça sur mon post-it. C'est possible que Lien t'aies pas mis Discord. lien permanent, mais un lien Ouais, temporaire. je pense. Ça va être ça. Je pensais avoir mis le même lien que dans la commande, mais lien Discord sous le stream. Hop là. Ça, mon post-it se complète, hein. Hop, ouais, c'est parti. Du coup, le lien Discord dans la commande fonctionne, hein, visiblement, vu que même Potter a pu rejoindre. Ouais, ce ne sera que Hop. le 50e ou le 100e Discord que je rejoins. T'inquiète, pareil. Il y en a tellement. Et en plus, j'en ai quelques-uns qui datent des cours à distance pendant le Covid. Et je veux... Ils servent plus à rien, mais j'ose pas les quitter parce que. Pour la nostalgie, tout ça. Bon, bah on est parti et OBS c'est fermé. Enfin, c'est baissé, c'est bon. Hop. Tac. Et puis, Astoumix en rejoint également. Let's go. Bienvenue sur le Discord. Bah, feel free to join the vocal, of course. Et sinon, nous allons partir dans 3, 2,
1, c'est parti, Game Monde, 3 minutes 30. Vous pouvez bouger, tourner la tête, faire ce que vous voulez. Il faut juste trouver où on est. Attention aux torticolis. Attention, tout à fait, hein, ne tournez pas trop la tête. Oh, GeoGuessr en VR. Ça ne servira à rien. Alors, j'ai des petites idées, mais... Il nous faudrait un tableau... Un panneau quoi. Ouais, il y en a des panneaux. Ouais, j'ai trouvé un panneau mais. Mais je connais pas assez les langues pour être sûr. Ouais, il y a des maisons. C'est un truc de ouf. Il y a une maison grise là. Elle est pas mal. Et bonsoir les Axes, bonsoir, bienvenue. Comment bonsoir, ça va les Axes. Bon, ça va nickel comme un mercredi soir. Hein. J'adapte en fonction du jour de la scène. Ah, mais quel talent! Ça c'est l'improvisation, ça. Et encore faut-il se souvenir du jour de la scène. il est fini ici à Guess, il reste 2 minutes. Je me promène. Il n'y a genre aucune indication, j'ai trouvé aucun panneau qui donnait un nom, quoi. C'est une fond exprès. Bah moi j'en ai trouvé un petit au coin d'une rue, mais j'ai trouvé ça m'a des pas panneaux, aidé. J'ai trouvé des panneaux de rue, mais alors après. Là j'ai une remorque de camion. Il me dit des trucs. Il me dit quoi des trucs. J'y connais tellement rien. Il y a une lettre qui m'a l'air particulière. M'a l'air particulière et je pense que on est ici. Alors je sais pas où tu cherches, mais bon, vu que j'ai tenté. J'ai tendance à me dire que à voir à peu près le pays où c'est. Ah moi c'est pas du tout là que je pense. Maintenant c'est pas impossible. Hein. Ouais. Regardez s'il y a des mots que je connais. Enfin, des noms de villes que je connais. D'ailleurs, les axes modérateurs sur la chaîne, tu as loupé un ban tout à l'heure. Hein. J'ai dû le faire moi-même. Oh. Raconte-nous, c'était quoi? C'était un message en allemand. Qui me demandait d'acheter des trucs. Moi, j'ai eu le même samedi ou dimanche. Ah. Ah ouais. Je sais plus si ça a demandé d'acheter des followers ou je sais plus quoi. Ouais, j'ai pas lu en fait. Assez souvent, mais en anglais perso. En anglais, j'ai réussi à les bloquer. Ça va, ça fait un petit moment que j'en ai pas eu, mais l'allemand, ça m'était jamais arrivé. Bah, moi non plus, c'est la première fois. J'ai déjà eu de l'espagnol, du portugais, des trucs comme ça. Anglais, je crois pas encore avoir eu. Mais là, l'allemand, ouais. Je sais pas, les bots sont pas configurés pour chercher la langue sur Twitch. C'est quand même pas mal. Eh ben c'était bien en Islande. Eh oui, c'était l'Islande. J'hésitais vraiment entre la Scandinavie et puis l'Islande. Ok. En fait, j'ai vu la lettre sur un camion, le truc qui fait un... Qui fait un 6 à l'envers avec une barre. Et je sais pas, je crois que... Je sais pas s'il y a que ça en Islande, c'est que en Islande qu'il y a cette lettre là ou pas. Franchement, moi j'avais que dalle parce que je. Franchement, le fait qu'il n'y avait pas de panneau c'était assez perturbant, ou presque pas. Ouais, j'avoue que là c'était un peu. Après, j'ai reçu. Il n'y avait aucun panneau. Et j'avais des trucs avec deux KI en fin de mot. Pour moi, c'était pas du tout islandais. Bah, apparemment, si. Bah, faut croire. Le ETH existe plus qu'en islandais. Existe plus qu'en islandais. Putain, j'ai fait un AVC en lisant la phrase. Donc, le ETH, c'est comme ça que ça s'appelle la lettre. Enfin, le S.
Je sais pas comment ça se prononce. Donc visiblement ça n'existe qu'en islandais, mais ça existait ailleurs avant. Ok. Ok. Enfin, c'est parti. On va partir sur le round suivant. C'est le nom de la lettre, ok. Je sais pas comment le prononcer par contre. Et. Peut-être et. 3, 2, 1. On est parti. Ouf. Oula! Changement d'ambiance. Ah ouais, totalement! Il n'y aura pas plus de panneaux. Je le reconnais bien, Stand, bien sûr. Ah bah là, carrément. Là, Oh! Là, il y a un truc écrit. c'est ils sont en 2023, ça c'est clair. Ah bah ça, Bien sûr. avec le réchauffement climatique, forcément. Tac, tac, tac. Oh. Je vois un mec à moitié à poil. Ah, c'est l'Islande. Ah bah, C'est que là-bas qu'il y en a. en distance, ça peut arriver, oui. Oui, dans les sources chaudes. Et puis on va me dire, ah non, c'est le nord du Groenland. Ah, génial. Ah bah. Non mais il y a un panneau avec un alphabet mais je reconnais pas. Alors, je trouve pas de panneau, je vais aller dans l'autre sens. Ce serait peut-être pas Ça, plus c'est pas un mal. panneau mais Ouais, c'est une espèce de banderole. C'est écrit en une certaine langue et mais je vois pas. Bon, regardez au même endroit, je pense. Ah, je vois à peu près où on est sur le globe, tout à fait, au nord du Groenland, mais plus précisément, je sais pas. Le Groenland, tu crois? Je sais pas, ou le Canada? Tac, tac, tac. Ah bah, si vous Et avez une vu. parabole. Ah, vas-y. Si vous avez vu la baleine hein, que je viens de croiser dans le jeu. Pas du Alors tout ça c'est ça. pas impossible hein, de croiser une baleine. Et des fois on croise des statues de tout et n'importe La dernière fois c'était où? C'était à Bucarest ou Budapest, on a croisé Luigi donc Non. si qui tenait un panneau pour un restaurant. Vous savez que j'habite du côté de Charleroi et on a plein de statues. On a Spirou, on a Marsupilami, je crois qu'on a un Luigi aussi, ou en tout cas, je sais qu'il y en avait un. Ah, trop bien. Bah, c'est la ville de la BD, hein, donc. Ah oui, du coup, oui, forcément. Oui, mais c'est pas les Hongrois qui ont créé Mario. It's me. Non mais je trouve. Moi je vais me mettre là. Hop. C'est pas Je trop. trouve aucun indice. Que dalle non plus. À part la végétation, et ça ne me dira rien du tout. C'était à Bratislava. C'était à Bratislava. D'ailleurs, Miko l'a gar a gardé, a gardé l'endroit pour un quiz. Parce que ça tombe tellement bien du coup. Bon, bah, je vais tenter dans ce coin-là, souvent c'est dans ce coin-là que. Bon, en vrai. Je m'attends. Ah. Punaise, en Thaïlande! Oh non, Ah, ah ouais, c'est dans le sud de la Thaïlande, du coup. Oh, t'étais totalement de l'autre côté, d'accord. Attends, t'étais où? Ah, t'es vraiment venu au Canada? Ah, les palmiers, c'est pas trop le nord du Canada. Je sais pas, moi je Après. connais que l'Europe, hein, les gars. Hein. Oui. Désolé, désolé. Non, mais le Canada, c'est plus. Ça va... Quoi qu'il y ait des palmiers au Canada aussi. Oui, il peut y en avoir, Mais bien sûr. dans des grandes forêts comme ça, ce sera plus des forêts de pins ou de feuillus plus classiques. Ah, oh, mais il faut savoir, toi. Oui. Bah, du coup, voilà. On apprend des choses. C'est la première fois que je joue aux œufs, les gars. Bah oui, bah du coup on t'apprend un petit peu. Hein. Voilà.
T'inquiète, t'inquiète, c'est juste que je me suis demandé si j'avais pas trop trollé en disant Canada ou non, c'était, je crois que c'était Fredo qui avait dit Canada. C'est pour ça. Du coup, voilà, c'était une blague, le Groenland. Le Groenland, ce sera plus de la neige, enfin pour l'instant. Mais je me disais aussi, le Groenland, c'était plus de la neige, mais... Mais... Le Canada, je sais qu'il y a des endroits où c'est pas spécialement neigeux, donc tu vois, donc... Oui. Le Canada, c'est grand, hein, et il a quand même une certaine influence, avec certains... Oui. Pour en dire Et bonne soirée, celui-ci, bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine. Merci d'avoir suivi le raid. Oui, bonne soirée, celui-ci. Je ne sais pas parce que j'avais répondu par écrit. Non, mais tu lui fais la gueule, c'est très bien. Ouais, super. Voilà. Mon modo, voyons. Non. Bah, moi, je fais la gueule à mon modo, tu vois. Hein. Moi, je fais la gueule au mien parce que c'est un modo en carton. Oh, bah, tous ces modos là. Ouais, mais. Le truc le plus drôle, c'est que je dis ça, mais après je vais me faire taper sur les doigts parce que je vis avec mon modo. Ah. Attention, hein, pas parler trop. Ah, mais il entendra rien. Ah, ça va. Enfin, il entend que moi, quoi, parce que j'ai mis les écouteurs. Ah, donc on peut dire ce qu'on veut. Non, parce que... Exactement, en effet. Quand même, ah, let's go. Je pense que c'est le pire que tu as. Je pense que... Bon, on va être parti pour le point suivant. Désolé, les hacks, hein, évidemment. J'ai. Voilà, je suis obligé de dire la vérité à un moment. Ouais. Je suis horrible. T'étais pas là pour ban tout à l'heure. Voilà. J'ai dû cliquer moi-même avec mes doigts. Oh là là, désastre. Tu t'es pas fait mal, j'espère. Ouais, ah si, bah là j'ai une tendinite. Hein. On est parti pour le... On a connu Modo combien vite. C'est pour ça que t'es premier. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Tout à fait, donc nous on va partir pour le point suivant. Oui. En 3, 2, 1, c'est parti. On aime tous les Modo, bien sûr. Cœur. Bon, déjà une vie c'est mieux, mais oh là là, une petite pétrolette. Oh là là. Ah, il y a des palmiers, c'est pas le Canada. Non, je en effet. Confirme, c'est pas le Canada. Non, bon. J'ai cru voir un indice, mais j'ai vu son contraire juste avant, donc j'ai eu le nom d'une ville. Ah, j'ai eu le nom d'une ville, mais je suis pas sûr. Pas sûr parce que c'était pas écrit tout à fait pareil que c'est écrit sur Google Maps, alors je sais pas. Ah là là. Franchement. Et puis j'ai vu d'autres trucs. J'ai l'impression que la langue correspond pas, bref. Ah. Moi j'hésite pour le moment entre deux pays. Pareil. Pareil, pareil. J'ai deux pays. Parce que la langue est assez proche. D'un côté, j'hésite pas trop, mais j'aimerais bien avoir des indices meilleurs. Que je suis bloqué dans les embouteillages, génial. Super. Non mais clairement j'avance mètre par mètre, c'est énorme. Ah oui, ça le fait pas mal. Le mieux c'est sur les routes de campagne quand t'as rien à perdre de vue, que t'avances, tu dis bon bah tant pis.
Ah, un panneau j'ai le intéressant. nom de la ville. C'est quoi cette ville-là? Je connais pas. Je pourrais pareil avoir le nom d'une ville, mais Est-ce que ce serait oh. par là? Par hasard. Oh. What? Eh mais en fait c'est. Oh, attendez, il y avait un panneau police. Sur les voitures de police, il y a peut-être Gardia ouais, Guardia d'Infinza. D'accord. Ah, une extension de Internet, ça confirme le pays, c'est déjà ça. Et oui. Oh yes, c'est bon, c'est bon. C'est vrai que vu l'architecture, ça va être plutôt de ce côté-là. Bon, alors là, pour trouver la rue, par contre. Bon bah tant pis, je vais tenter. Allez, je tente là. Oh, trop bien! Ah, bravo! Ah putain. 282 mètres. Oh là Yes. là! Mais en Ah. fait, je cherchais Agrigente, mais j'ai pas réussi à la retrouver sur la carte, je savais juste qu'elle était en Sicile. Ah, D'accord. oui, pareil, j'ai vu. Pareil. Ben moi, j'ai fouillé en Sardaigne et en Sicile. Je me disais, ça fait vraiment sud ou île Bah, au italienne. début, moi je pensais que c'était l'Espagne, puis je me dis, mais non, c'est trop italien et tout. Et puis je suis tombée sur le Oui. panneau Agrigente. Mais attends, Agrigente, c'est où? C'est pas en Italie, c'est pas en Espagne, mais c'est où? Putain, c'est où? Moi, j'ai vu Mussolini. Voilà. Moi, vers la fin, j'ai vu Canicati sur un panneau de rue, donc enfin panneau de rue, panneau d'information plutôt. C'était pas mal, ça aide. Du coup, je suis contente parce que ça fait monter un petit peu les points. Bah ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je me sens moins minable. J'ai passé la barre des On a la bonne 5000. île. Bravo, bravo. Du coup, c'est parti pour le round suivant dans 3, 2, 1, c'est parti. Go, go, go. Oh, un rond-point. Oui, t'as raison. Ah bah j'aime bien ça, moi. Oh. Bon, c'est pas là-dessus qu'on va se Hop. départager, je pense. Non, c'est clair. Attends, parce qu'il faut trouver quand même, hein. Ouais, mais on a déjà une bonne On a des... impression, hein. Ah, oui. C'est bon. C'est bon, sur toutes les villes, il y en a une. Ça va. Est-ce que c'est cette ville que je pense? Oh, je sais pas. Oh non, ça va pas être cette ville. C'est pas celle à laquelle je pense. Ah oui. Alors, je vois même pas. Je vois pas du tout où je suis. Ah oui, non, attends, attends. Ah, voilà. Et je vous dirai après ce qui m'a fait douter. Ok, là on est parti. Ils ont flouté. Hop. Ah, Fnixie a dû arrêter pour mettre sa petite sœur au lit. Oh. Oh. Du coup, on a un compétiteur en moins. Moi, je suis en train de chercher la départementale. Moi, je l'ai trouvé. Bon, je vais signaler le gentil bot de vente de viewers à Twitch. Du coup, j'aurais fait 50% du travail.
Félicitations. Félicitations. Une tendinite de moins. Bravo, bah, t'as réussi à retrouver le... Ah, peut-être dans la liste des bans. Et eh ben, j'ai trouvé. Dans son message, il... du coup, ça vendait des viewers, c'est ça? Et c'était, c'était quoi le prix? C'est pour un ami. Attends, je vais retrouver le prix parce que je crois que j'ai fait une capture d'écran et... Ouais, ouais. Ah, pourquoi t'as le lien en favori? Ouais. je commence à en avoir marre de chercher après la départementale, du coup, appuyer sur le bouton. Je vais me chercher à boire. Ok. Ratez-vous, c'est important. Oui. Et Sofar, t'as entendu? Oui, j'ai compris, j'ai mon réviseur. Non, il faut aussi de l'eau à boire. Réviseur. Boire. Eau, bouteille. Bouteille, bouteille. J'ai mon pastis. Oh, mais ça va, j'étais pas si loin que ça. Et bravo. Bravo, bravo, bravo. On veut pas dire, mais je suis plus près que vous tous. Voilà. Ah, bravo, bravo. Né. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un rond-point avec Mortagne. Et moi, je suis normand. Hein, et ce que je connais, moi, de Mortagne, c'est Mortagne au Perche, qui est dans le Nord. J'ai vraiment failli me faire avoir. Non, j'ai fait le tour du rond-point avant de faire des. En fait, vous êtes tous au bon endroit, en fait. Il n'y a que moi qui suis plus loin. Bah, si c'est la première fois que tu joues aussi. Bah, déjà, bravo, je connais normal, pas la France. Hein. Je parie que si on tombe sur la Belgique, je pourrais trouver avant vous. Ah, bah, ça, c'est sûr. Royaume, aussi. Bah, ouais, déjà. C'est pas... Moi, je connaissais parce que j'y suis allé en vacances une fois, il y a très longtemps. Mais. Mais voilà, on a tous commencé un jour. Moi, j'ai commencé à jouer à GeoGuessr quand j'ai commencé à jouer à... quand j'ai commencé à streamer. Donc du coup, au départ, c'était plus catastrophique que ce que tu fais. Mais en vrai, c'était presque donné le Royaume de France. Je suis tombé littéralement sur le panneau Royaume de France. Ouais, si ça, c'est pas ouais, la ça... France, je sais pas ce que c'est. Et là, c'est à l'île de la Réunion. On se fait tout savoir. Après, la France, c'est large. Hein. Enfin, être ouais, mais ça, France, ça réduisait déjà les trucs. Et après, le coup de la départementale, bah, tu te guides quand même un peu aux chiffres. Quoi, parce que je suis pas si loin que ça. Quoi. Oui. Ouais, mais enfin, il y a plusieurs départementales. Je cherche départementales 145. Il y en a partout en France, en fait, quasiment. Oui, dans chaque département, ça recommence. Ouais. Après, Royaume de France, j'imagine que c'est plutôt ouais, tout à fait. Enfin, du côté de la Vendée, Charente et tout ça, ils sont très très attachés, je crois, au passé royal. Ok. On connaissait pas ce passé-là. par contre, Astomix nous dit « Je connais toutes les communes de ce coin, j'ai bossé aux archives du département et j'ai dû classer des dossiers de toutes les communes du coin. » Oh putain. Oula, oui. Bravo. Du coup, ah bah là, la seule chose que là je si t'avais pas fait 5000... C'est côté Unieu Firmini, là, un peu au sud du Massif Central. Au sud du Massif Central pas trop. Un peu plus au sud de Lyon. Parce que on a de la famille là-bas, enfin on en avait. Ok. Maintenant il n'y a plus. C'est d'une tristesse. Donc, c'est parti pour le round suivant. En 3, 2, 1. Allez, encore la France? Ah oui, c'est très français, oui. Non, pas du tout. Alors. Du coup, c'est 50 centimes les 100 viewers. Ouais, c'est étonnamment pas cher.
C'est ce que j'ai eu, et puis demander genre... Enfin non, il proposait aussi 10... Enfin, 100 viewers ou 100, 100 follow? Bon, je crois que c'était un truc du genre aussi 10 spectateurs. Bon, franchement... Alors, j'ai trouvé le continent. Ouais, le continent, alors là, par on a à contre, peu près. alors, j'aimerais sortir de là, monsieur. Ah non, et en plus, il y a des endroits, tu sais pas y accéder. Ah, l'enfer. Ah oui, Ah oui, des fois il y des a des fois, tu peux cul-de-sac, être oui. un peu. Oui. D'accord. C'était spectateur, ok. Un bac super, 50 centimes sans spectateur. À ce rythme-là, je vais demander à ChatGPT et puis il va interagir dans le chat. Ah, vraiment, Ce ça, sera c'est mieux pas que 100 ça. viewers photos. Alors, j'ai très envie de mettre ici. Ah, j'arrive pas à avancer! Alors, j'ai envie de dire, j'ai déjà. J'avance de 2 mètres, je recule de 10. Hop là. J'ai envie de dire, j'ai déjà dû subir une attaque de 400 followers d'un coup en bot. Bah, je saute à personne. Ah ouais, ah ouais, ouais. J'ai déjà eu 4-5 d'un coup. Genre vraiment 4-5 d'affilée, t'as fait. C'était déjà chiant. Par 400. Quand t'as les alertes en plus. C'est ça. Bah, Oh là. j'ai pu couper ça quand même, ça allait, mais bon. Oui. Mais par contre, même, c'est quoi, c'était il y a quasiment un an, il y en a encore quelques-uns, j'ai pas réussi à m'en débarrasser. Franchement, je touche du bois, j'en ai pas encore eu. Et mais c'est l'enfer de se déplacer dans cet endroit, en fait. J'arrive pas non plus, j'ai des. Je crois que je tourne en rond parce que du coup je me téléporte à un endroit à chaque fois. Putain, là je suis devant un camion cassé. Enfin non, il est pas cassé. Non, il renverse juste sa benne. Il a pas l'air cassé. Il est en réparation. Ouais, s'il est en réparation, c'est qu'il est cassé. Bah, je sais pas. Mais je sais même pas dans quel pays on est en fait. Franchement, je sais pas. Le pire C'est pas c'est. celui-là, mais. Mais. Le pire c'est que j'ai vu Qatar à un moment, mais c'est pas. Non, non, c'est pas le Qatar ça. Non, c'est pas ça. C'est un peu plus riche. Un peu. Ouais, j'ai envie de Il y a dire un qu'on est bêtise de loser d'avoir casino. bougé. Mais non, mais j'ai. Oh merde. Oh, mais je suis un abruti. Oh putain, bravo. Bravo à Stu. Bravo. Je suis un abruti parce que j'ai vu un truc. Genre Afrique de l'Est. Et je me suis mis à l'Ouest. J'ai pas vu Afrique de l'Est et puis J'ai vu coup un moi truc j'ai vu East en African. Égypte et puis j'ai vu un truc qui faisait très arabisant et je me suis éloigné vers les musulmans. Bah moi aussi j'ai vu Qatar. Bon bah voilà. Bah ouais. Bah c'était. Bah en fait, Astou, il prend nos points, il les multiplie par 10. Ce Ouais, round. c'est ça. On a fait tous autour de 400 et puis il a fait 4985. Bravo. Bravo, il avait le Kampala. Enfin, même si j'avais eu le panneau Kampala, j'aurais pas tilté. J'aurais pas tilté. Côté vraiment un capital de Volanta, d'accord. Ouais. Mais au niveau déplacement, c'était l'enfer. Il y avait des rues principales, tu savais même pas aller dessus, alors que t'avais des rues dégueulasses et tout. Tu circulais comme Oui. si c'était la rue principale. Mais ouais, non. C'était un scooter Google Car, je pense. Et bah du coup, ça achève cette game. Tac tac Ça manque un tac. peu. Et bravo. Bravo à toutes et à tous. En tout cas, très cool d'avoir participé.
Nous avons Astou qui est loin devant avec 22 000 points, 22 184. Bravo. Il possède des points. Il est à l'aise sur GeoGuessr. Ouais. Moi-même, et puis Christopher avec 13 000 points, bravo. Même Potter avec 11 153 points, bravo aussi. T'es pas loin de Christopher game, finalement. Game, bah voilà, t'es qu'à 2000 points de Christopher finalement. Et puis Phnixi, bon bah voilà, pour le battre, il faut qu'il se déconnecte. Parce que Phnixi est très fort à jouer au guesser. Mais nous l'avons battu, voilà. Bon, il a joué que deux games, mais on l'a battu. Hop. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous restez là? Ou est-ce que vous voulez arrêter? Ou est-ce qu'on fait un autre jeu? On peut refaire une game de GeoGuessr. Moi, c'est comme tu veux. J'ai quand même pas accès à mon Sado pour pouvoir jouer à Ark. Tu joues à Ark? Trop bien. C'est un jeu que... Enfin, le truc avec les dinosaures, hein. Mm-hmm. Ah ah, trop bien. C'est un jeu auquel j'avais un peu joué au moment de la sortie, mais que j'ai un peu délaissé. Là, je l'ai repris. Parce que le jeu, j'ai commencé à le faire un peu plus sérieusement, et je joue avec des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu, du coup je suis à moitié en train de les guider, à moitié... Bon, il faut que je sache comment on fait les boss. Je le sais dans la théorie, le tout c'est de farmer ce qu'il faut, parce que dans la pratique, farmer les dinos c'est pas spécialement évident, surtout les gros dinos. Oui. Et à côté, je fais toujours sur Ark, j'ai commencé une aventure modée sur un serveur, parce que le mod il est juste insane, avec la Blood Moon qui rend tous les dinosaures, même ceux qui sont défensifs, ils deviennent offensifs. Et c'est juste trop bien, et je viens de terminer de construire ma première bicoque qui ressemble vraiment à... une cahute de tribal qui est sur pilotis. Ok, cool. Je m'éclate. Cool. Trop bien. Moi, j'avais joué juste un petit peu. Je crois que je l'avais acheté sur Xbox et c'est beau. C'était dégueulasse. Ouais, non, mais sur les consoles, c'est pas chouette le jeu. Ouais, voilà. Là, c'était dégueulasse. Mais par contre, je me suis connecté sur un serveur. Et j'ai croisé deux gus français qui parlaient français. Et du coup, on a fait une game ensemble et tout, c'était plutôt sympa. Mmh. Mais on n'est pas allé très loin. Pas resté très longtemps. Mmh. Mais j'aime beaucoup le jeu. Ouais. Et j'attends de voir ce que va donner le suivant. Le suivant, l'avantage, c'est que même si tu te le procures sur console, il sera cross-platform. Du coup, ce sera beaucoup mieux que le 1. Ouais. Ok. Parce que là, mon PC, je pense pas sûr qu'il fasse tourner les jeux. Pas sûr. Moi, je verrai bien si ça tourne pas sur PC. Je verrai pour l'avoir sur console, parce que ça devrait tourner sur console. Ouais. Du coup, moi, je suis chaud pour repartir pour une petite game de GeoGuessr. Et puis après, je pense que après celle-là, on s'arrêtera. Let's go. Il se fait tard. Bon, bah, ok. Si ça vous va. Même pas petite question QPUC. Oh, on pourra faire une ou deux questions QPUC si c'est tu veux. C'est quoi QPUC? Dis-moi tout. Question pour un champion, bien sûr. Et du coup, je vais piocher dans des questions qu'il y a sur le Discord des poils. Et Christopher. Yes. Du coup, on attendait Astou. D'ailleurs, Astou, du coup, dis-nous quand tu es prêt. Parce que du coup, j'attendais aussi ça. Invité, putain, je suis 3 fois sur paramètre au lieu de sur invité. Hop. D'ailleurs, les axes, je sais pas si t'es encore là. Si tu veux rejoindre aussi. Ah bah, voilà. Ah bah voilà. Très bien. Et prends l'initiative. Ah oui, j'avais pas vu le re en même temps que j'ai posté les liens. Du coup, voilà, Phnix, si tu peux cliquer. Et tu me dis quand c'est bon, parce que là pour l'instant t'es en grisé, alors je sais pas si ça veut dire que t'es parti.
Et quand c'est bon pour vous, ce sera bon pour moi. Hop. FNixie a rejoint, c'est bon. Normalement. Ok. Du coup, on va partir sur cette deuxième game. C'est parti. 3, 2, 1. Et je lance Start Game. C'est parti. Be ready. Oh, génial. Ouf. Alors, il n'y a qu'une direction possible. Bon, bah, j'espère que Ça c'est pas un limite. cul-de-sac. Ah! On est au tartare, les gars. Il y a Chronos. Oh là. Il y a un panneau qui indique dans la rue dans laquelle on vient, qui indique un truc. What? C'est quoi cette vie? C'est particulier. Oh yes. Parce qu'il y a des gros bâtiments, il y a des gros bâtiments là. Qu'est-ce que c'est? Tout joli d'ailleurs les couleurs là, le bleu et le blanc là, c'est sympa. Où est-ce qu'on est? Ça construit en fait. Semblerait, ouais. Ah, Oh putain, j'ai passé les panneaux. J'expliquerai la méta sur ce pays après. Ah, donc du coup, Méta. Astou a le pays. Ok. Ah, il y a oui. Muse, mais avec un W à la place du M. Egarki. C'est comme Ah, j'ai pris un coup de vieux parce que du coup, j'ai parlé. Enfin, globalement, tout le monde au boulot sait que j'ai été voir Muse en concert. Et puis, j'ai une collègue, une stagiaire qui est arrivée récemment. Et du coup, j'ai pris un petit coup de vieux parce qu'elle m'a dit: Ah, ben moi aussi, ma maman, elle est allée voir son concert au Zénith de Nancy. J'ai fait: Ah, ça me rajeunit pas. C'est ma grand-mère qui aimait Muse. Ah ouais? Là, quand t'étais jeune. Super. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais si t'as déjà 90 ans. Bah je crois que j'ai. Je possède peut-être la méta là, tu vois, ça là. C'est ça, est-ce que c'est ce que je montre là à sous la méta? Non, ah, c'est pas ça. Merde, je pensais avoir la méta. Mais de toute façon, je pensais avoir la méta, mais en même temps. Je sais pas à quoi elle correspond. Franchement, hop là, je vais mettre ça. Et c'est tout. Je sais pas où je suis. Ah si, peut-être là. Ah, Finity qui a mis la mauvaise vie, là, là, là. Bravo. Je suis même pas sûr d'avoir le bon pays donc. Bon, je dois être là. Ah putain, monsieur, je suis un abruti. Je pense je suis. Ouais. Je suis très loin. Ah, Ah, pareil. zut. Pareil, je suis un peu loin, quoi. Je m'étais mis plus au sud et pourtant c'était là du coup. Ok. Et donc la méta? Quelle était la méta? Alors pour moi, il n'y avait pas de méta, mais juste sur les panneaux, il y avait marqué Abuja. Et Abuja, ben, du coup, c'est Dans ce capitale du pays, Sri t'es Lanka. suivi en permanence par un pick-up de police. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Nickel. C'est vrai que j'en ai vu un, le pick-up de Donc. police, tout à fait. Donc, Nigeria, pick-up de police. C'est bon. Mais sinon, bah voilà, c'est marqué Abuja, donc voilà. Si tu connais la Oui, faut capitale connaître Abuja Nigeria, sinon. ça marche bien. Par exemple, le pick-up, quand la voiture Jogesseur, c'est un pick-up blanc, et ben c'est le Sénégal, en général, je crois. Mais
C'est trop fort parce que le pick-up. Ah oui, d'accord. Oui, après, ça dépend aussi des barres de toi, effectivement. Voilà. Même Potter, voici l'univers de GeoGuessr. Selon les barres de toi qu'il y a sur la voiture que tu conduis, ça peut être certains pays. Voilà. Je peux dire. Je pense que ça doit être la façon dont c'est installé. Et du coup, vu qu'ils font une région d'un coup, tu dois avoir des trucs caractéristiques. En Mongolie, il y a les bagages sur le toit. Là. Pas mal, ils partent en vacances en même temps, tu vois. Ils font leur trajet de vacances et en même temps, ils prennent les photos. Je te retiens tellement pas les méta. Bah, moi non plus, j'ai un peu du. Enfin, moi aussi, j'ai un peu du mal. Retenir. Déjà, retenir certains paysages et machin, c'est compliqué, mais alors. Alors, les méta. Je crois que j'ai juste le scotch, le Bref. méta scotch noir et je crois que c'est pour Ghana, mais je suis même plus sûr. Je sais même pas. Je sais qu'il y a une méta scotch noir. C'est comme tout à l'heure, j'ai cru voir une méta sur le bord de la route et t'avais des bandes noires et blanches. Je pensais que c'était une méta d'un pays. Et pas du tout. Pas du tout. Bon. On est parti, hein. J'avoue que j'ai En trop de pick-up de 3. police qui suit. Je regarde ça. C'est fascinant. Ouais. Je crois qu'il y a certains pays où c'est suivi par une moto. Scotch noir sur la barre avant droite, c'est le Ghana. Voilà, effectivement. Effectivement, bravo. 3, 2, Eng, c'est parti. Encore la cambrousse? Toujours. Bon. Oh. Là, c'est. Pardon. À tes souhaits. Merci. J'ai une petite idée quand même. Oh, c'est pays.exe là. Hein. Ça peut être presque partout hein, finalement. Ouais, mais j'ai ma petite idée quand même. Ah, j'ai ma petite idée quand même aussi. Mais c'est la méta. Ouais, c'est non, pas du tout en fait. Non, pas du tout. J'ai quand même un doute, mais... J'ai quand même un doute J'hésite. aussi, moi. Je pense avoir trouvé. J'hésite entre deux pays qui sont strictement opposés dans le monde. Là, je connais rien, donc je sais pas. Ah, j'ai peut-être trouvé. Enfin, pas trouver l'endroit exact, mais le pays au moins. C'est un peu particulier. Le chat, tu ne fais pas de bêtises ou je te transforme en descente de lit. C'est efficace comme menace? Ça dépend, tu veux que je lève mon cul ou quoi? En vrai, quand ils font des bêtises, je crie sur mes chats, je tape dans les mains pour que le son les surprenne s'ils continuent à faire la bêtise, et seulement après je me déplace s'ils continuent. Ah, je fais pareil avec mon lapin. Mais sinon, dans le pire des cas, ce que je fais, c'est que. Je donne pas des tapotes, mais j'embête le chat en glissant mon doigt sur sa truffe parce qu'il n'aime pas. Tout pareil, on a les mêmes techniques. Parce que ça sert à rien de taper, hein, de toute façon. Non, bah non. Pourquoi taper Par le alors que. casser. Oh non, alors là. Un poète. Alors qu'un poète sur le nez. Exactement. Je Est-ce qu'il pense que continue j'ai. ses barbecues de lapin? De quoi? Est-ce qu'il continue ses barbecues Yuki? Non, enfin, alors,
Alors figure-toi que la nuit, il y a une nuit la semaine dernière où à 3h du matin ça puait le cramé. On a un Non. truc de fou. Et en fait, c'est. Mais genre, c'était. J'avais. Ça donnait envie de vomir tellement ça sentait mauvais, ça sentait le plastique cramé et tous ces trucs-là. Et en fait, t'as. Alors, la même nuit, tu as une. Il faut que je guesse. Ouais, c'est bon, je guesse. Tu as un tas de palettes qui a pris feu avec un corps dedans, juste pas très Oh, dommage. loin Dommage, j'étais pas au bon endroit. Mais j'étais pas loin. J'en ai. Ah, oh, on était dans le nord. J'en ai marre, Burn foot. J'explique. Il fait tellement gris là-bas que j'ai l'impression que le soleil est au nord. J'ai vraiment cru qu'on était en Nouvelle-Zélande. J'ai rien compris. Ah, mais tu sais que je me suis mis en Nouvelle-Zélande aussi, mais en fait, j'ai regardé. À un moment, il y avait des panneaux de route. Et j'ai pas vu ces noms de route en Nouvelle-Zélande. Du coup, je me suis remis plus haut et je les ai vus en Irlande. Ah oui, en plus des panneaux de route, c'est plus Genre là. de l'irlandais ou du anglais, bien sûr. Bah oui. Moi, je pensais que c'était du Wallish. Du Welsh. Bah, j'y ai pensé aussi, Pays de Galles. Franchement, j'hésitais entre Pays de Galles, Irlande et Nouvelle-Zélande. Ben, Globalement. je viens de regarder juste par curiosité. On a un Burn Foot en Irlande, mais t'en as. Un Royaume-Uni, deux Royaume-Uni, trois Royaume-Uni. Ah là là. La probabilité était un peu plus. Là, là, j'en peux plus. Et du coup, effectivement, il y avait donc un corps qui a brûlé. Et il y a une carrosserie aussi qui a brûlé un peu plus loin. Ah Du coup, je oui. pense que c'est ça qu'on a senti pendant la nuit. Une bonne vingtaine de voitures brûlées. Ça sentait très bon. On avait toutes les fenêtres ouvertes. C'était parfait. Et ben du coup c'est parti pour le point suivant qui sera peut-être en Nouvelle-Zélande ou peut-être pas. En 3, 2, 1. Oula. Pourquoi j'ai l'impression d'être dans Fast et Furious? On se téléporte. Ah ça va vite là. Déjà les bêta panneaux, je les ai pas. Ah, en plus, avec la fin des panneaux, j'avais vraiment l'impression d'être aussi en... plutôt du Oui. côté Australie-Nouvelle-Zélande. Oui, les panneaux jaunes là et tout. Je comprenais rien. Mais effectivement, aussi en Irlande, ils y sont. Oh, j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance. Je recule. Trop bizarre. Moi, je Parce que suis là, j'ai tentée de l'impression. mettre ça ici. J'ai l'impression d'être en Nouvelle-Zélande. Pas du tout. Enfin. Mais on roule à droite. Donc, c'est pas. Pas la Nouvelle-Zélande. Oh, un drapeau. Je connais pas les drapeaux. J'ai déjà vu, mais je sais plus ce que c'est. J'ai déjà vu, putain. Je vois aussi un drapeau, par contre, j'aimerais bien voir sa forme exacte, d'accord. Je sais plus où c'est. Moi, je vois un panneau stop qui n'est pas marqué stop. Mais je sais que c'est un panneau stop. Oh là là, l'enfer. Tu l'as respecté au moins? Quoi? Tu l'as respecté au moins? Sinon, t'as des points au moins. Pour respecter le code de la route. J'ai trouvé un panneau qui est où je vois plein de mots. La langue, je l'aime pas. Et pourtant, je la comprends à moitié. J'aime pas ce pays. Et Moi, j'explique j'hésite entre deux pourquoi. pays.
je pense avoir trouvé sérieusement le pays. Oh, ouais, j'ai le pays aussi, mais... J'ai des indications de ville, même mais je saurais pas dire où elles genre sont. C'est une blague. D'où c'est là-bas? Ah, c'est Santo Domingo. J'ai vu sur un panneau Chili, donc... Et j'ai vu du coup le drapeau du Chili, mais je l'ai pas reconnu. Ah, j'étais pas sûr, et pour moi c'était plus Chili, effectivement. J'hésitais entre Chili et Cuba, et... Ouais. Bah, c'était le Chili, du coup. Ben, moi, je pensais qu'on était au Mexique. Chili, on parle quelle langue au Chili drapeau. Espagnol. Espagnol, oui. Bah, comme partout dans l'Amérique du Sud, sauf au Brésil et au Suriname, je crois. Le Suriname, c'est le néerlandais. Et Guyana, c'est le anglais. Et Brésil, c'est portugais, du coup. Voilà, Brésil, portugais. Et puis, il y a la Guyane française. Chili, langue. Entre autres, bien sûr. L'espagnol, tout à fait, au Chili. Ok. Le soleil était bien au nord, bah je l'ai vu à l'est, en fait, j'avais pas vu au nord. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis que plus au niveau du nord du Chili en me disant que c'était plutôt proche de l'équateur. Bah, en effet, je me suis fait, voilà. Et nous sommes partis du coup sur le round suivant dans 3, 2, 1, c'est parti. Go. Oh. Encore la Kangrousse. Oh. Oh merde, alors ça c'est Kangrousse puissance 1000, oui. Oh, on n'aura aucune indication sur 10 km. J'espère que vous êtes inspirés par les paysages. Nous sommes en Arcadie, les gars. En vrai, j'en sais rien. Mais c'est bien possible vu la. Vu le truc. Ah non, mais moi je vais faire dans ce truc là. Allez, on monte. À un moment, il y aura une indication. Sinon, j'ai une vague idée. Il y a des cailloux tempérés du pays. Oh, ouais, j'ai vu. Ça m'a fait penser à un pays, et puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre. Oh, moi, j'ai rien en vu. Fait, ça m'a pas aidé. Ah, oui, d'accord. Ah, putain. Ah, oh, j'hésite entre deux pays. Qui sont sur deux continents différents. Ah, j'hésite entre rien, j'en ai aucune idée. Ça vous tuerait de nous donner une indication genre un tableau? Alors, je crois que j'ai trouvé le continent. Et hop. Si c'est le bon continent, je serais déjà contente. Voilà, moi franchement, je sais pas du tout. Ok, alors ça se tente. Je pense que c'est l'Antarctique. Ouais. Je suis pas sûr qu'en Antarctique il fasse si vert, tu sais. Il y a vraiment aucun panneau. Bon. Genre que dalle, quoi. Ah putain, mais j'hésite. Dites-moi, toi, dis-moi où on est. Tu me dis pas, ils sont pas très causants, les passants. Ah, il y a un panneau, mais effacé, super. Pourquoi le soleil se monte jamais? J'hésite entre trois continents maintenant. Oh, c'est quoi ce pays-là? Oui. C'est franchement. J'ai cru à un moment qu'il y avait un truc écrit dans le paysage jusqu'à ce que je vois Google 2022. Ah la loose. On est dans la Silicon Valley finalement.
C'est où ce pays-là? Là. Je tente un pays, mais alors. Ah, je tente un P. J'ai encore me retrouver à 10 000 km. Bon. Je tente un pays aussi. Hop. J'ai mis juste comme ça. Allez, hop. Oh zut, voilà. Mais c'est pas ça. Oh putain. Il fallait Quoi? vraiment aller complètement au sud. Quoi? C'était Lesotho. Bravo les Axes. Bravo les Axes, je suis content d'être deuxième, même si je suis très loin. Bravo. Eh ben ouais. Je suis loin derrière. Oh putain. C'est vrai que c'était pas con les autos. Ouais, non, mais si tu regardes les résultats du round, là t'as le classement final, mais t'as aussi le résultat du tour. Tu es en troisième position sur ce tour-là. Finixi a fait 2 points, j'ai fait 13 points, Astou a fait 353 points, tu as fait même Potter 535 points, Christopher avait fait 864 points et Léax a fait 4841 points. En vrai, ça se voyait que c'était avec les passants, que c'était en Afrique. De là à savoir si c'était Oui. où. Bon. Bah, j'ai hésité. Vu que c'était montagneux, j'ai J'ai pensé à la hésité. Tanzanie, Kilimandjaro et tout ça, et c'est vrai qu'il y avait aussi J'ai l'Afrique du pensé Sud au qui marchait bien. Pérou, j'ai pensé au Népal, j'ai pensé à tout le continent africain à peu près. J'ai mis sur Népal. Et en fait, non. Bravo, parce que. En fait, non, c'était Metz. Ah ouais, dommage. Ah, c'était Metz, ouais. Metz, ouais, tout à fait. On dit pas Metz, on dit Metz, attention. Oui, mais j'aime bien dire Metz, c'est vrai, pour regarder les gens. Pour déranger les gens qui te disent que c'est pas Metz et que c'est Metz. Oui. Super, bravo. Ah Eh ben, bonne nuit. oui. Non. Dernier round, on est parti dans 3, 2, 1. Ça a fait boum, c'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi, je Bravo. Putain, tu m'as perturbé. Ah, oula. Bravo. C'est fou. Aucune idée. Waouh. Moi, j'ai déjà peut-être le pays. Peut-être. Moi j'ai écran noir. Ah, c'est bon, c'est fini. J'arrive pas Ah, à là, il y a avancer. un gros panneau, recule. Pip, pip, pip. Il faut avoir les pneus hiver, sinon, attention, hein, du 15 novembre au 15 avril. D'accord. Voilà. Assez long l'hiver là chez eux. Ouais, c'est long l'hiver. C'est une indication. Ah oui, quand même. Ah ouais, il y a des panneaux, attention neige. Ah ouais? J'aurais pas dit, hein. Crois Moi, que j'ai je sais trouvé le pas. pays. Je pense qu'on est par J'ai une là. hypothèse, mais c'est bizarre. Retourne au point de départ. Hein. Hop. J'ai même pas de pays là. Ça... tente quand même un truc, on sait jamais. Oh, un gigapanneau.
trouver. Ah. Alors là, je crois que je vais totalement me planter. J'avance même pas comme je veux. Bon bah tant pis. Pidipi, pidipi. Il y a une méta pour le payer avec les packs d'immatriculation et tu me dis ça maintenant alors que je pensais connaître. Ah si on a le pays. J'ai le pays. Non, moi je me suis raté de pays mais j'aurais pu. Hein. Franchement. Bon on sait tous. Oh, bravo. Attends. Pour aller à une masterclass. Bravo même Potter. Merci. Bravo. Wow. Ok, il y avait un panneau gêne du coup ou est-ce qu'il y avait... J'ai vu un panneau avec des... C'était pas Parazuolo, je crois. Ouais, moi je jouais pas tout c'était. Ça avait l'air d'être italien, mais je savais pas. Je pensais que c'était plus au nord en fait, vu qu'il y avait les montagnes, tout ça. Ouais, dans les Alpes. Ouais, mais moi je m'étais repéré à Parazuolo, et après j'ai vu Parma, donc c'est... ça a aidé. Ah, Parma, ouais. Ok, bah bravo. Ah bah j'ai bravo, ça. C'est moche. Mais bravo en tout cas. Ouais. Pour les plaques d'immatriculation, l'Italie et l'Albanie sont les deux seuls pays avec une plaque où c'est bleu des deux côtés. Mmh. Et après, c'est écrit en italien. Oui. Ok. En fait, il n'y a pas beaucoup de pays où c'est écrit en italien. Oui. J'ai tendance à dire c'est soit la Suisse, soit l'Italie. Je vois même pas s'il y a un autre pays qui parle italien en langue officielle. Ouais, mais c'est l'Italie. Va dire ça aux Siciliens. Oui, le Vatican est un pays, hein. Je sais pas, mais. Bon, bah, dans ce cas-là, on va dire c'est un marin aussi. Dans ce cas. Oui, mais il faut dire ce qui est. C'est un pays. Ouais, en tout cas, c'est pas en Afrique, c'est pas en Asie, c'est pas en Amérique, donc ça va, c'est sécurisé. C'est surtout ça que je voulais dire par là. Et bah, en tout cas, ça clôture cette game avec Léax qui gagne. Du coup, j'ai Léax ouais, qui était très très. Avec 21 000 points. Astour en deuxième position. Nixie en troisième position. Et puis après, bah, le top 3 en partant de la fin. Ah, tu peux clap aussi. Ah bah oui. Incroyable.